Alors, on découvre la chambre. Il y a une baignoire ? J'adore les baignoires. Attends, ça c'est cool. Hein. Le petit rangement. Alors, ensuite, on a la télévision. Le petit coin. Ça c'est, putain, c'est pas mal quand même. Pour un ibis, ça vaut le coup. Donc voilà. La salle de bain. Ça. Et donc, ouais, il y a bien une baignoire. Cool. Ça, c'est trop cool. Ah, il y a un balcon ? Ouais. Bah, regarde-le, lui. Coucou. Pendant que monsieur se brosse les dents, légère tenue du jour, c'est avec une tache. Parce que monsieur est un boulet. Donc voilà, bon, c'est hyper simple, hein. Franchement. Voilà, avec les 2 heures de route, 2h30, on n'allait pas faire un truc. J'adore cette chemise de chez Asos, j'en veux d'autres dans ce style-là, je kiffe trop. J'aime trop. Et puis natte, la natte de flemme. Alors je sais que c'est pas super esthétique de mettre un élastique noir, mais on va chez Primark. Et chez Primark, que j'ai l'intention de me faire un petit stock d'élastique, etc. Voilà. Guten Tag. Oui, bon, j'ai fait genre... Mais en fait, ce que je viens de vous dire pour ceux qui ne sauraient pas, c'est bonjour en allemand, tout simplement. Pourquoi bonjour en allemand? Parce que j'étais en Allemagne et c'est pour ça que je vous fais ce haul, parce que je suis allée chez Primark et chez DM. DM, c'est genre le magasin où je voulais aller depuis limite que je suis née. Alors là, j'ai fait quelques petits achats, alors rien de ouf, rien d'exagéré. J'ai pris des choses dont j'avais besoin. Pas du tout, en fait j'ai pris des choses qui... pour certaines choses effectivement j'en avais besoin, pour le reste je suis une femme faible. Beaucoup de choses qui ne coûtaient pas très cher bah, au niveau fringues, mais je me suis pas forcément attardée parce que le but c'était pas non plus de dépenser des milliers et des cents. Donc je vais vous montrer la première chose que je me suis achetée, c'est cette paire de chaussures, et oui. Bah oui, forcément, moi et les chaussures. Donc oui, des sandales comme ça, avec un gros talon carré, bah, pour le confort, parce que, entendons-nous, moi les talons fins, je les porte pas très longtemps, parce que c'est pas, je trouve pas ça confortable, et comme je vous ai déjà dit, moi je trouve pas que ce soit le plus joli sur ma silhouette, je préfère les chaussures assez, assez épaisses, assez lourdes, avec... voilà, avec un talon qui soit beaucoup plus stable. Donc elles sont en léopard, comme vous pouvez le voir, j'adore le léopard. De toute façon, je trouve que c'est un intemporel, je trouve que c'est le truc. Voilà, la petite pièce que quand tu t'habilles, même simplement, même tout en noir, tu mets un petit truc léopard, ça y est, t'es stylé. Et donc cette paire de chaussures m'a coûté 10 €. Donc elles ont une plateforme devant qui fait que finalement le talon, qui paraît quand même assez mastoc, assez grand, avec la plateforme ça passe. J'ai bien vérifié la cambrure parce que souvent faire quand même attention à cette cambrure, c'est ce qui peut faire qu'une une paire de chaussures, pas une voiture, peut être inconfortable. Et bah, j'ai craqué dessus, j'ai juste hâte de les porter. Je les vois tellement avec une maxi dress, ou je les vois tellement cet été avec une combinaison noire, ou enfin peu importe. Alors après, comme c'est léopard, on va éviter de mélanger 50 imprimés, c'est pas forcément ce que moi j'aime en tout cas. Et donc elles étaient seulement à 10 € et j'ai hâte vraiment qu'il fasse suffisamment beau pour pouvoir les porter. Alors elles sont quand même assez lourdes, donc je pense que s'il fait trop chaud, c'est pas non plus ce qui va être le plus agréable. Mais sur la demi-saison, enfin on est censé déjà être en demi-saison, mais apparemment on nous a oubliés, hein, j'ai envie de dire. Et ben je pense que ça va être super sympa même pour le soir, j'ai vraiment hâte. La seule chose c'est que je pense que la semelle va être, vous savez quand il fait chaud, va me brûler. Donc je mettrai une semelle... vous savez comme on peut acheter, qui nous permet d'éviter le frottement. Mais sinon voilà, je les ai trouvés juste super jolis et j'ai craqué complètement. Genre en 2 minutes 30 je les avais déjà à la main. Lorsque je pars en week-end ou lorsque je pars en vacances, je suis toujours embêtée avec tout ce qui est maquillage, avec tout ce qui est produits cosmétiques. Je sais jamais où les foutre et il faut dire qu'on en apporte une tonne. Et c'est vrai que j'avais vu chez Salonas qu'il existait des pochettes où à l'intérieur il y a aussi des pochettes pour pouvoir mettre du maquillage, et donc je suis tombée amoureuse de celle-ci. Évidemment j'ai pris la plus discrète, je trouve cette pochette mais superbe, elle me... je sais pas, quand je la regarde, je sais pas, je sais pas comment vous l'expliquer, mais je la trouve, mais waouh, c'est le genre de truc que j'adore, holographique, un peu complètement chi, complètement...
complètement, comment dire, particulier. Enfin, moi, j'aime pas le classique. Vous savez, je suis quelqu'un qui adore les choses un peu plus originales. Et en fait, le principe, c'est que ça s'ouvre comme ça et qu'à l'intérieur, vous avez des pochettes en plastique dans lesquelles vous pouvez mettre tout votre maquillage. Et ça, c'est vraiment suffisant parce que quand je pars en week-end ou en vacances, j'ai pas besoin de prendre 60 000 trucs de maquillage. Hein. Généralement, je me contente du peu parce que même si je suis youtubeuse beauté, je vous assure que j'ai pas envie de m'emmerder avec 50 produits d'esthétique. Et je suis tombée vraiment amoureuse parce que pour moi, c'est la pochette de sirène, c'est la pochette des licornes. Et même avant cette mode des licornes, etc., je trouve que la couleur est vraiment punchy. Elle me donne envie de l'utiliser, elle me donne envie de me maquiller. Et j'ai forcément craqué dessus et dans la même collection. Donc cette pochette m'a coûté 7 euros. Et dans la même collection il y avait le Vanity. Et moi j'ai pas de Vanity. Donc j'utilisais toujours des pochettes et des pochettes. La pochette pour tout ce qui était intime, la pochette pour tout ce qui était, enfin quand je dis intime, les serviettes etc, les serviettes, tampons, machin. Enfin bref, on a passé des détails. Il y a l'autre pochette où vous pouvez mettre les shampoings, les machins, les trucs. Et c'était juste chiant. Du coup j'ai pris aussi le Vanity qui va juste avec. Mais c'est pareil, enfin, je sais pas, c'est ridicule, mais quand je vois un truc comme ça, j'ai le sourire, je suis une vraie gamine. C'est rien que la couleur en fait me donne envie de partir en vacances, j'ai envie de dire. Et étant donné que je pars en juillet en plus, je m'étais dit ce serait l'occasion de partir avec des trucs un peu plus organisés. Et donc le Vanity se présente comme ça, il est. En fonction de comment vous le regardez, la couleur elle change, c'est holographique, c'est magnifique. On adore. Ensuite, donc nous sommes allés chez DM et chez DM, nous avons passé au moins une heure, facile. Ce qui m'a impressionnée, c'est que les produits de marque, comme on peut consommer assez habituellement du Dove, en France, les prix n'ont rien à voir. Donc on peut une fois de plus remarquer à quel point on se fait intuber chez nous. Bienvenue en France. Donc j'ai acheté quelques produits, ça va du shampoing sec au gel douche, à l'adoucissant linge, oui. Donc on y va. Je me suis prise ce shampoing, c'est pas marqué en français, c'est chiant, au miel en fin de compte, c'est miel, oui c'est sûr, il y a des dessins, hein, Wendy, c'est écrit dessus, c'est comme le port salut. Donc c'est la marque Balea, donc Balea c'est la marque de distributeur, je crois, de DM. Et donc là c'est parfum tout simplement miel et lait, je pense. Oh, ça sent trop bon. La deuxième chose que je me suis prise, c'est donc de chez Garnier. J'aime beaucoup les après-shampoings ultra doux de Garnier. Je vous en ai déjà parlé. Donc là, c'est argan et huile de camélia. Donc, Trockenes Haar. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Toujours est-il que moi, j'ai... Putain. Moi, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Et du coup, c'est apparemment... Enfin, c'est quasi sûr. De toute façon, s'il y a de l'huile d'argan, c'est certainement fait pour mes cheveux secs. Mais encore une fois là j'ai pas d'avis, c'est un haul. Je me suis prise comme ça parce que j'ai jamais vu ça en France. En fait c'est des lingettes antibactériennes. Donc on est habitué aux produits antibactériens classiques en gel. Et là en fait c'est carrément des lingettes. Et je trouvais que le format était juste pratique pour mettre dans son sac à main, hein, maniaco-dépressive. Donc là c'est tout simplement avec de l'aloe vera, un mythe aloe vera. J'ai dû payer ça, je sais pas, ça va être 40 centimes ou un truc comme ça. Enfin vraiment pas très très cher. Et le concept me plaisait trop. Donc encore une fois ça c'est de la marque Balea. On reste chez Balea avec deux produits qui ont à peu près le même type de format. En fait ce sont des sprays. Donc là c'est un spray en fin de compte body lotion. Donc c'est un spray en fait c'est un spray hydratant, en fait, si vous voulez. C'est comme si vous avez votre crème hydratante en spray. Le principe m'a juste grave plu parce que moi qui suis feignante et qui déteste passer 4 jours à m'hydrater le corps, je l'ai déjà essayé pour tout vous dire. Alors c'est pas non plus un truc de ouf quand vous vous hydratez, bien sûr, mais le principe est top parce que si jamais vous voulez continuer quand même à avoir un minimum d'hydratation mais que vous avez un peu plus de flemme, ça c'est vraiment top. Je vous dis, c'est pas l'hydratation de ouf, mais par contre c'est top. Je veux dire, c'est tellement agréable, vous pchitez comme ça, vous avez plus qu'à frotter 2-3 secondes et c'est fait. Merci pour les feignantes, on vous remercie. Et la deuxième chose en vous remerciant, et la deuxième chose c'est, alors celui-ci c'est à la mangue bien sûr, et la deuxième chose c'est la... Le deuxième produit qui ressemble un peu à celui que je viens de vous montrer, en fait, c'est cette fois-ci une mousse de douche. Et moi, j'avais jamais testé les mousses de douche. J'en avais déjà entendu parler, je crois, sur la chaîne de Et pourquoi pas Colline, mais je suis pas certaine. Toujours est-il que là, c'est une mousse de douche, donc toujours de chez Balea. Celle-ci, elle sent le citron.
et le pamplemousse, et je l'ai déjà testé, mais c'est un bonheur absolu. Alors ce qui est étrange, c'est que JC l'a essayé et a détesté, parce qu'il trouve que, si je me souviens bien, ses mots c'était on a l'impression qu'on n'en met pas et puis ça mousse pas comme j'aime bien, et c'est j'aime pas, c'est chiant, on a l'impression que ça lave pas. Dixit l'homme pressé. Et en ce qui me concerne, c'est plutôt, j'adore le concept, c'est de la mousse, c'est tout doux, et voilà. Donc je pense que c'est vraiment le genre de truc complètement fifille, mais j'ai adoré. Et en plus ils sont vraiment bon, le citron pamplemousse. Alors le pamplemousse c'est pas du tout ma came, mais alors comme le format est mousse, je sais pas, ça, c'est un côté dynamique, c'est un côté vachement sympa, et j'ai adoré. Le principe une fois de plus, parce que c'est pareil, en partant, si je me barre en week-end ou quoi que ce soit, je vais adorer prendre ce type de produit. Moi je suis sûre qu'il coulera pas dans mon sac, et je pourrais le mettre dans mon super vanity, tu vois. Ensuite je me suis pris un shampoing sec à la cerise de chez Baptiste. Encore une fois, la différence de prix était moins 50%, un truc comme ça. Bon là clairement je l'ai pris aussi par rapport à l'odeur, hein. On va pas se mentir, ça sent super bon la cerise. Moi il faut savoir que le shampoing sec c'est pas quelque chose que j'utilise énormément, parce que j'ai pas le cheveu qui régresse. Moi mon cheveu afro, j'ai pas besoin de le laver 50 fois forcément, mais j'aime beaucoup par exemple lorsque je porte des tissages et que je vois que la mèche commence à être sale, ou pour des fois ils sont un petit peu raplaplas les tissages, donc pour redonner un coup de frais au niveau des racines, ou tout simplement moi l'été quand j'ai une mèche et que je vois que la mèche commence un petit peu à être un peu sale, c'est parfait. Donc ce genre de truc j'utilise vraiment peut-être une fois tous les 4-5 mois, mais je l'ai vu et c'était à la cerise quoi. Donc voilà. Alors là on part dans des trucs hyper intéressants. En l'occurrence je me suis pris mon déodorant préféré Dove bien sûr. Donc c'est l'original, mais en version, c'est pas le stick celui-là, c'est en version bille. Et pour moi c'est le meilleur déodorant. Déjà on transpire pas avec ce déo, et par contre c'est vrai qu'il est relativement cher chez nous en France. Et là je crois qu'il était à 2€, un truc comme ça. Ensuite on part sur les produits pour pieds. J'ai été assez intéressée par ce produit en fin de compte, qui est un gommage gel lotion en fin de compte pour les pieds. Fuss, c'est pieds en Allemagne, et donc on voit qu'il y a des micro grains ici dans le packaging, donc je ne l'ai pas encore testé, mais selon moi c'est à la menthe effectivement et au pamplemousse. C'est bien Wendy, tu sais interpréter les images. J'ai quand même quelques notions en allemand, mais voilà, il y a des trucs qui m'échappent un petit peu. Et ce produit m'a vraiment intéressée parce que moi j'ai le pied vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, très chiant, qui est sec, etc. Et c'est vrai que souvent il faut faire des gommages, et en fait ça m'enquiquine toujours d'utiliser des produits gommants pour le corps, pour les pieds. Souvent c'est pas assez astringent justement, et ça je pense que de toute façon j'en reparlerai. Si j'en parle pas, c'est que ça m'a pas forcément plu. Et du coup j'ai aussi pris une crème pour les pieds. Ah non, c'est pas une noisette, c'est du karité. Donc c'est au karité, et quand je l'avais essayé sur ma main, je trouvais que ça avait l'air vachement épais, vachement nourrissant. Donc c'est parfait, voilà, ça va avec le gommage. Toujours dans les pieds, donc on m'a conseillé de prendre cette râpe. Apparemment elle est assez efficace, donc j'ai hâte de l'utiliser. Là comme je vous faisais un haul, j'ai pas pu utiliser tous mes produits, la frustration est parmi nous. Et en fait c'est une râpe, parce que c'est vrai que c'est bien beau de faire des gommages, c'est bien beau de nettoyer ses pieds, c'est bien beau de mettre de la crème, mais si tu les râpe pas, ça sert pas à grand chose. L'idée c'est de vraiment retirer les peaux mortes, et en fait il y a un côté comme ça qui est très très rugueux, noir comme de la pierre en fait, ponce, et ce côté là est beaucoup plus râpant. Donc ça je vous en parlerai, parce que là on arrive sur la période où on va sortir nos pieds normalement, et donc je pense qu'il n'y a rien de plus atroce qu'un pied dégueulasse, ou un pied mal manicuré, ou enfin pédicuré pour le coup, ou un pied plein de sécheresse. Enfin moi en tout cas je supporte pas sur moi, je suis tout le temps en train de l'été en tout cas, de ce que l'hiver on peut les planquer hein. Mais l'été, je suis tout le temps en train de batailler avec mes pieds parce qu'ils sont bien trop secs. Et du coup, j'ai sorti l'artillerie lourde. Attention, on finit avec deux choses qui intéresseront les despérettes. En fait, je me suis pris deux assouplissants Lenor. En fait, pourquoi j'en parle? Parce que c'est un haul. Merci Wendy, merci beaucoup. Non, j'en parle parce que moi, je suis quelqu'un qui recherche toujours l'assouplissant qui va rester au niveau de l'odeur sur le linge, parce que souvent, ça reste pas. On a beau prendre des marques comme Soupline, qui sont quand même assez réputées. Je trouve que Soupline ne reste pas en termes d'odeur sur le fringue. Et le seul assouplissant qui reste vraiment, que quand on ouvre l'armoire, ça sent, que quand on porte le fringue, ça sent, c'est Lenor. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait des parfums que j'avais jamais testés et qui coûtaient rien du tout par rapport à ce qui est vendu dans le commerce,
rien, je crois que c'était même pas 2 euros pile, un truc comme ça. Donc là c'est au parfum améthyste, bon c'est des fleurs hein. Et ici c'est golden orchidée, moi j'adore les orchidées et les odeurs, mon dieu. J'espère juste que ça va vraiment rester sur mon linge, parce que rien que le Lénore que j'utilise, donc ça doit être un truc genre grand frais ou envolé d'air frais, je crois que c'est le nom, c'est le bleu. Il est exceptionnel, je veux dire, je le conseille à tout le monde pour avoir du linge qui sont super bons. Et c'est souvent où, quand je m'habille avec les fringues qui viennent d'être lavées, pourtant qui étaient dans l'armoire, je me dis « Ah putain, ça sent trop bon, ça sent le propre !» Ben, j'ai hâte de sentir ces deux trucs. Donc si vous allez en Allemagne, franchement, foncez, même sur... Ok, c'est pas hyper glamour, mais foncez sur ce genre de trucs, parce que clairement, ça coûte toujours une blinde. Je trouve que c'est toujours cher pour ce que c'est, et là, ça valait grave le coup. J'ai oublié un petit gel douche dans ma foulée. J'ai pris aussi celui Vanille Coco, hein. Très étonnant. Donc c'est pareil que le miel, sauf que c'est un autre parfum. Celui-ci, du coup, je l'ai déjà testé. Alors l'odeur est à tomber. Je l'avais même utilisé pour prendre un bain, donc à l'hôtel. La seule chose que je reproche quand même au gel douche Balea, et je sais pas si ce sera la même chose pour celui au miel, c'est que l'odeur elle reste pas du tout. Une fois que vous êtes lavé, ça sent plus du tout sur votre corps. Et on finit par trois produits de maquillage. Alors vous voyez, j'ai été voilà, j'ai été très raisonnable. J'ai pris ce pinceau, j'allais dire ce fond de teint. C'est un pinceau à anti-cerne et il a l'air hyper doux, je sais pas, j'avais envie de tester. Donc c'est la marque vraiment de DM, donc c'est Ebelin Professionnel. Donc c'est un pinceau synthétique à anti-cerne et je cherchais ça parce que j'en avais marre de le faire au Beauty Blender. Deux autres produits, donc de chez Essence, cette fois-ci l'anti-cerne Stay All Day 16h. Donc cet anti-cerne, je l'ai déjà vu plein de fois dans des routines, dans des tutos, etc. Mais je ne saurais pas vous dire ce que disaient les gens dessus. Je vous avoue que ça m'a pas marqué. Mais moi du coup ça m'intéressait, je l'ai vu tellement de fois. En ce qui me concerne, je le trouve correct en fait. Il n'est pas aussi couvrant que celui d'Estée Lauder. En même temps, voilà, je pense que... celui d'Estée Lauder pour dépasser niveau couvrance, faut déjà y aller. Par contre moi qui actuellement cherche des produits plutôt discrets, imperceptibles, je le trouve très bien. Donc c'est à dire qu'il annule quand même mon côté cerne un peu noir, violet, dégueulasse. Mais en même temps on voit pas que j'ai un truc en dessous de l'œil qui peut faire parfois un petit peu qui peut un peu plomber le regard, parce que l'anti-cerne il a tendance parfois à plomber le regard quand il est trop mat ou quand il est trop épais justement. Donc là ça va complètement avec ma routine teint actuelle. Et je le trouve bien en fait. Bon, effectivement il peut parfois aller un peu dans les plis, donc il faut le retapoter un petit peu, ou éventuellement poudrer, mais moi je déteste poudrer mon teint, je déteste poudrer mon anti-cerne. Si vous me suivez, vous savez très bien que je trouve que ça me plombe tout le teint et ça me plombe tout le regard, et je déteste ça. Ça fait trop figé, c'est pas ma came. Et ben ma foi il est bien et je le trouve tout à fait correct. Il fait son job, il annule ma cerne et il est discret, donc ça me va très bien. Et la deuxième chose, j'en ai parlé sur Instagram, c'est le Long Lasting Lip Gloss Matte. Alors matte, on repassera, parce qu'il n'est pas matte. Voilà, non, pas du tout. Il promet pas, enfin, il fait pas du tout ce qu'il promet, c'est-à-dire que moi quand je vois ça, je m'attends à une encre à lèvres, hein, clairement. Une encre à lèvres. Je m'attends à un rouge à lèvres liquide matte, en fin de compte. Et non, il dépose comme un... Alors déjà... La teinte, magnifique. Donc je vous laisse aller voir sur Instagram parce que je l'ai swatché sur mon compte. Vous aurez les coordonnées juste en dessous. Mais l'odeur, oh, ça sent le... Ah, qu'est-ce que ça sent? Ça sent déjà meilleur que Kylie Jenner et que MAC. Ça sent le... La nougatine. Ah oui, la nougatine. Et alors, qu'est-ce que j'aime dans ce rouge à lèvres? Déjà, je trouve que la matière est vraiment adorable. C'est genre une matière adorable. Non, c'est pas le mot. En fait, c'est un rouge à lèvres qui donne un aspect un peu velouté. Ça dépose une matière velours sur vos lèvres. Donc tout ça, je vous dis, c'est pas du mat, c'est pas du longue tenue. Mais par contre, c'est extrêmement confortable. La couleur est top, l'odeur est top. Pour le prix, ou même pas pour le prix de toute façon, parce que même si on paye 2 euros, j'estime qu'un produit, il doit être bien. C'est tout. C'est pas une question que de prix. Et du coup, ce rouge à lèvres, moi j'aime beaucoup parce qu'en ce moment, étrangement, je suis pas trop attirée mat. Je suis très attirée vers tout ce qui va être crémeux, velouté. Et ce truc-là, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un... Je dirais que c'est un gloss. Velouté, crémeux, qui sent bon, qui tient pas super bien. Mais alors, le confort sur les lèvres, on croirait un baume à lèvres. Enfin, c'est génial. C'est du velours, quoi. Donc
bien. Par contre, oui, maths, j'ai pas trop compris, mais en fait, ça me dérange pas puisque je le trouve de toute façon très confortable, très agréable à porter, très joli. Et c'est le principal. Voilà pour ce haul DM Primark. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux. Bye bye!